L'achat accompagne la transformation du secteur RH sur le segment automobile. Pour illustrer le sujet, je vais prendre l'exemple du dossier que nous avons accompagné aux côtés de Stellantis. Donc, transformation d'un site qui fabrique des moteurs thermiques vers les métiers de la Gigafactory, fabrication de cellules et de modules. Qu'a-t-on fait? Première étape, on va éclairer ce que veut dire ce nouveau métier et ce que ça veut dire en termes de transformation. Ça, c'est stratégique pour attirer les collaborateurs et pour pouvoir construire finalement le parcours sécurisé. Deuxième étape, valoriser les compétences de départ. Donc, mettre en place un dispositif d'accompagnement pour chacun des salariés pour qu'ils puissent se projeter sur l'étape d'après en étant solides sur leurs compétences de départ. Troisième étape, structurer. C'est quoi le parcours de formation? C'est quoi l'infrastructure? C'est quoi la certification qui va faire que les gens vont se lancer, vont se dire c'est accessible? Et puis dernière étape, accompagner finalement toute la sécurisation du parcours individuel. Ça veut dire l'accord social, ça veut dire tout ce qui va être l'éclairage finalement sur le métier d'arrivée, ça va être aussi la certification et puis ça va être accompagner aussi les premiers pas dans ce nouveau métier, dans cette nouvelle entreprise. De façon complètement sécurisée, de telle sorte que le collaborateur puisse se dire ben, je risque rien à me lancer. Je peux me lancer, effectivement, et à partir de là, je vais vers un nouveau métier.